on est au cœur de la ville de Bruxelles. Et donc, on a lancé le décompte pour les job days qui auront lieu en novembre, puisqu'on recherche plus d'une centaine de personnes chez Infrabel, rien que pour des sièges de travail situés à Bruxelles. En tant qu'échevine de l'emploi, je suis particulièrement sensible à cette démarche parce que cela nous permet de présenter les métiers du rail, les métiers des chemins de fer. Alors on cherche des femmes, mais on cherche aussi des hommes, de préférence bilingues. On cherche tous les profils, du profil sans aucune formation jusqu'au profil universitaire. Ce qui est important, c'est trouver les demandeurs d'emploi qui leur donner la motivation, les coacher, leur expliquer tout le potentiel que va leur offrir Infrabel, qui a une possibilité de recrutement énorme et dans toutes sortes de catégories. Mais je faisais des pas en arrière parce que j'avais l'impression que j'allais tomber sur les voies. C'est de la technologie qui permet d'approcher les jeunes. On est dans leur monde là. Et ils comprennent mieux les métiers qui sont offerts ici par Infrabel. C'est une belle expérience. Là maintenant en 2018, on peut trouver un nouveau moyen de communiquer. Et là, c'est une belle image à montrer. Je pense que pour le moment, c'est très important d'expliquer aux Bruxellois qui est Infrabel, ce qu'on fait, ce qu'on peut leur offrir comme emploi et ce qu'ils peuvent nous offrir avec toutes leurs compétences.